Zach. Oui. Une petite actu. J'ai cru voir qu'il y avait un petit sujet. Je voulais vous demander votre avis. Voilà. Et donc avant, je vais quand même poser un petit peu la chose. Il y a notre ami Elon Musk, je pense que vous avez entendu parler, il a encore fait un petit peu parler ces derniers temps, qui a racheté 9% de Twitter. Et dans une lettre, il a expliqué qu'il a racheté 9% de Twitter parce qu'il voulait un peu défendre le free speech. Il pense que c'est une valeur qui est super importante dans le monde. Donc, il s'est dit, tiens, pour le faire, je vais racheter une partie de Twitter. Sauf qu'il s'est rendu compte, après avoir racheté ses 9%, en tout cas d'après ses dires, que dans le Twitter actuel, c'était pas trop le mood, le free speech, ou en tout cas pas assez à son goût. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Elon? Il a dit, dans une lettre, qu'il était prêt à racheter tout le reste des actions restantes de Twitter, donc les 91% restants, à 54,2 $ par action. Soit 54% plus cher par action que la veille où il a commencé à investir, okay. Ou alors 38% plus cher que le moment où il était en train d'écrire la lettre. Okay. Donc, c'est-à-dire que les actions ont monté entre temps, etc. Donc, dès qu'il investit dans un truc, ça part en spéculation. Ouais. Donc en réalité, l'un dans l'autre, c'est un peu une aubaine, tu vois. Il a fait, pardon, je te coupe, mais il a fait exprès le délire, parce que 54-20, donc ça fait 4-20 en mode. Aucune idée. Parce qu'Elon Musk, c'était qui fait tellement les mêmes, les trucs comme ça et tout. Pardon, excuse-moi. Non, y a pas de souci, pas de souci. Ah, lui, il est tellement là-dedans que toutes les refs, il les cale, quoi. Aucune idée, mais en tout cas, c'était sa proposition. Il a laissé 5 jours pour répondre. C'est-à-dire combien en total, en millions, milliards? Franchement, j'avoue que j'ai pas fait le calcul. Parce que il y a pas mal d'actions. Des centaines de millions, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, il a laissé 5 jours pour répondre. Milliards. Il y a pas eu de réponse pour l'instant. Et dans la foulée, un petit peu sur son Twitter, il a proposé l'ajout d'un bouton edit. Il en a même fait un petit poll, donc un petit sondage, genre 75% ont dit OK. Et hasard du calendrier ou pas, il y a Twitter qui, dans la foulée, ont annoncé qu'ils allaient tester le bouton Edit pour les utilisateurs de Twitter Blue. Les Twitter Blue, c'est payant, d'accord? Donc c'est des utilisateurs payants de Twitter. Donc eux, ils ont assuré dans un article, oui mais non, ce n'est pas à cause de Elon Musk, on préparait déjà ça depuis longtemps. Alors je sais pas si mais ouais, mais en fait si, parce qu'ils n'arrêtent pas de même sur ça depuis genre un an et demi. On a parlé un peu aussi. Et par contre, cette fonction Edit, je sais pas si tu allais le dire, mais en gros, c'est pas une fonction Edit où on peut modifier quand on veut. C'est un peu comme les mails quand ils s'envoient un peu en retard. C'est ça. C'est genre dans la une minute où tu as upload ton truc, tu peux corriger les fautes et voilà. Donc il y en avait même qui faisaient dans la proposition et notamment dans le sondage de Elon Musk, juste en tout, il y avait une réponse d'un mec qui disait, si on fait ça, ça devrait être dans les 5-10 minutes après le tweet, et sur le tweet, il devrait y avoir un édité. Lien qui te montre l'ancien. Exactement. Comme ça, si le mec a modifié imagine, le tweet, imagine, il y a un buzz de ouf sur un truc politique, c'est ça. Et tout le monde retweet et il modifie le tweet. C'est, bah, c'est un peu le bad, ouais. C'est, ça. C'est le bad de fou. Donc, la question, est-ce que pour vous, du coup, serait une bonne fonctionnalité? Est-ce que ce serait bien? En tout cas, même chez Twitter, ils disent que c'est la fonctionnalité qu'on leur demande le plus. Et seconde partie, s'ils ne l'ouvrent pas à tout le monde, parce que c'est vraiment pas assuré, et vu qu'on sait que Twitter essaye ici et là de gratter des thunes, est-ce que vous seriez prêt à éventuellement payer pour ça? Je complète juste pendant ça avec le chat, c'est 43 milliards qui poseraient du coup sur la table pour acheter le reste. C'est au moins une dizaine de milliards. Oui, c'est pas mal. Pas mal, mais merci le chat pour ça. C'est du bon milliard. Non, mais en fait, moi je vois pas l'intérêt à partir du moment où on est obligé d'afficher le message d'avant. Et si t'as corrigé une faute, bah tu passes quand même pour un con parce que tu t'es trompé. Oui, mais oui et non, parce que quand une personne retweet, au moins elle voit le truc sans faute. Et si elle a envie de cliquer sur l'ancien parce qu'il a vu que ça a été modifié, tu vois, c'est pas pareil quand même. Ouais, mais imagine du coup t'as fait une erreur bête, genre t'as oublié le nom d'un sponsor et tu le rajoutes, tu vois. N'importe quoi. Ouais, ça fait vraiment le con. Ouais. Ça fait vraiment. Il a misplay et on sait qu'il a refait son tweet grâce à ça. Tu vois, enfin moi, pour un côté professionnel, je préfère delete mon tweet et le refaire. Ouais. Oui, clairement. Oui, d'un point de vue professionnel, je suis après, hier, j'ai eu le cas où j'ai eu plein de. Exactement, parce que je m'attête à la vidéo en live et genre j'ai retweet et d'un coup ça m'a fait tweet supprimé. C'est vrai, hier, je l'ai refait parce que j'avais oublié de mettre la. Je voulais mettre. En fait, j'hésitais à mettre la date sur le tweet et au final, j'ai refait mon tweet pour mettre la date, j'aurais pu le rajouter. Servi. Ouais. Oui, parce que là, typiquement, t'avais genre peut-être déjà 6-7 000 faves, je te dis une connerie, de likes. Donc du coup, c'est vrai que quand t'es à ce moment où ton truc a déjà buzzé, t'es un peu en mode. Alors, je delete, je refais, les gars, si. Renvoyez de la force. Non mais je le vois pareil, Gotha il avait annoncé une émission avec moi dedans et genre enfin en tout cas la personne qui travaillait à sa communication et il a mis Zach Nani sans le tirer. Donc du coup il y a eu toutes genre 50 premières mentions qui lui disent hop c'est pas le bon. Ouais. Bah, genre pour les hâtes ouais c'est chiant. Et du coup il a supprimé, remis le bon et je pense que c'est vrai que de l'un dans l'autre tu peux t'y retrouver. Ouais en vrai c'est des petites fonctionnalités pour moi qui changent tellement rien à partir du moment où on voit ou autre que justement c'est limité et que ça permet pas des dingueries où tout d'un coup t'as retweet un truc et finalement le lendemain bon bah c'est un c'est truc bon c'est fasciste ou une pub t'as pris un animal la veille toi genre donc tant que c'est pas ce genre de dinguerie mais ça coûte combien Twitter Blue
Aucune idée, mais est-ce que du coup, même imaginons, c'est une petite somme, c'est quoi, même, tu serais prêt à peut-être un peu payer pour ça? En vrai, non. 6 euros par mois pour avoir juste cette fonctionnalité, non. Ouais, juste. En vrai, non. Je sais pas s'ils ont quoi en plus sur Twitter Blue. Non. En vrai, tu vois, s'il y a la fonctionnalité, peut-être qu'elle sera utilisée pour corriger des trucs et tout. Et encore, au pire, tu dilettes, tu remets. C'est genre les stats qui sont accessibles maintenant, elles étaient accessibles que via Twitter Blue pour les professionnels, tu vois, j'aurais payé. Ouais, c'est ça. C'est entre 3 et 4 euros par mois. Ça, pour le coup, c'est. Et comme c'est déjà dispo, en fait, ils peuvent pas retirer une feature et la mettre dans un truc, tu vois, pour. C'est un peu bizarre. On avait parlé un peu de tous ces trucs. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a aussi les boutons de donate, tu vois, genre pas mal de trucs comme ça. On les a pas, nous. Les super follow, bah, ils avaient mis en bêta, donc ça continue de plus en plus. Il y a peut-être quelques Français qui ont, mais c'est mais très léger encore. Oui, c'est vrai, mais ça, qui permettait justement de faire descendre des commentaires ou quoi. Mais ils tentent des choses, hein, ils tentent même de générer un petit peu du cash. Après, moi, je me rappelle Twitter, tu sais, de manière générale, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vont être très allergiques à des premiers changements. Moi, je sais pas si tu t'en rappelles, parce que je sais que tu avais connu cette époque-là. Quand ils ont passé les tweets de 140 à 280 caractères, il y avait des puristes qui disaient ça puait sa mère. Hein. Ouais. Il y avait des mecs qui disaient, mais non, on aimerait bien garder nos tweets en 140 caractères, c'est ça, Twitter. Tu sais que j'ai regardé depuis des trucs, j'en ai parlé hier, et en gros, depuis que ça s'est passé, c'était en 2017, je crois qu'on est passé de donc 140 à 280. La longueur moyenne des tweets a réduit, en fait. De quoi? Ouais. Mais je pense que les ratios pas lus, déjà, ça encourage pas les trucs, tu vois. Ah, le 280 caractères, faut vraiment être passionnant, quoi, parce que sinon... Moi, j'ai tout le temps un zéro. Il y a un truc sur Twitter. Pareil. Mais oui, j'ai tout le temps un zéro. Ouais, tu comptes, limite. Il y a un jeu de... Est-ce que je mets de la ponctuation dans le tweet pour avoir 4 caractères de plus, tu vois? Des fois, tu reformules et tout. Ah oui, tu vois, il y a des fois, il y a des gens qui tweetent des trucs un peu longs, parce que bah, c'est une idée qu'ils expliquent, et des gens répondent genre trop long, pas lu. Et t'es en mode, bah ouais, mais du coup, c'est pas très long, en vrai. C'est lisible, quoi, tu vois. Pompon. Ça, là, c'est vraiment des bails aussi, et on en parlera sans doute dans une émission, de mecs qui sont incapables à des moments de lire des messages un peu plus longs, de se concentrer plus de 2 secondes. Mode, oui, vraiment, t'es là, t'as développé un argumentaire, un truc, le mec, il vient, il a dit « Attends, j'ai oublié mon marque-page ». Ouais, t'es en mode « Mec, il y a 200 caractères, genre... Moi, en vrai, j'ai arrêté de poster des longs tweets parce que j'ai. T'as rien à dire. Je crois que je m'exprime pas tant que ça sur Twitter parce que j'ai peu ce truc. À l'époque, c'était quand même un truc pas mal pour... sans que ça soit journal intime, mais un peu pour confier des trucs, partager des machins et ça. Ça l'était beaucoup plus avant, ça. Ouais. Et donc, du coup, ça s'est un peu arrêté. Et maintenant, si tu racontes un peu trop ta vie, le mec est en mode. Raconte pas ta vie. Ouais, rien à foutre, quoi. Alors, c'est en mode chuchon. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a un peu. Moi, j'ai arrêté pour pouvoir faire popcorn, du coup. C'est vrai. ça a bien marché. C'est vrai que putain, il y a quand même des sacrées époques. Il y a toujours un petit mood où tu peux tweeter un truc qui fait plaisir avec des réactions cool. Ça arrive, par exemple quand il faisait beau ce week-end, j'ai dit ça donne envie d'avoir un gosse et de l'amener dans un parc pour subir ses frappes horribles. Voir que le projet Mbappé est mort, le gosse il y a 2 ans et demi. Mais voilà, ou alors ce genre de tweet de attention, de à 22h05 le 14 avril pendant OL West Ham. On sait ça s'est passé ici. C'était terrible, c'était... jeudi dernier c'était difficile cette soirée. Après, j'étais au stade. Ah ouais, toi t'as dû vivre l'enfer au stade. 3-0, l'OL éliminé. Ah oui, ah, tu rentres, il y avait 50... Ah mais tu étais avec Rive, non? Bien sûr, j'ai ramené Rive. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ah, la bête de cadeau. J'ai payé pour ta place. Hein. J'avais dit à PA aussi, si tu veux venir. C'est et tout, triple peine. Ah non, tu rentres et tout. En plus, c'est à Dessines, donc c'est pas à Lyon, tu vois. Genre, tu rentres, ambiance. C'est la marche mortuaire. Ouais, c'est pas dit, hein. Non, mais il m'a dit la clim était violente, quoi. Le tram. Ah, c'était horrible. Ah ouais, c'était horrible, c'est vrai. Non, mais du coup, c'est vrai que Twitter, je sais pas, je trouve que c'est bien qu'ils rajoutent des trucs, parce que tu vois, c'est un peu nécessaire. Et après, c'est comme d'hab. Hein. C'est vrai qu'il y avait eu un moment, c'était PP carré qui sont devenus des PP rondes. C'est vrai que moi, je dis encore fave, mais c'est des likes maintenant. Ouais. Et c'est vrai que tous les changements à chaque fois. Oui, mais... En vrai, tu vois, par exemple, les tweets cités, tu vois, ouais. Genre le fait qu'ils aient ajouté ça. C'est horrible, mais du coup, je pense pour leur réseau, ça a redonné un peu un intérêt, tu vois. Ou De quand les tweets cités? Ah, c'est vrai que c'était pas au début. Non, ouais, avant, tu faisais juste des retweets. Non, le pire, c'est quand ils l'ont ajouté, au début, tu devais scroll dans tes notifications pour retrouver les tweets cités. Ouais, il n'y avait pas vrai. Le moyen il y avait hashtag, de... Il y avait hashtag LT pour parler du dernier tweet que tu avais retweeté. Ouais. Ouais. Ah, mais en réalité, ouais, tu devais checker et des tonnes de fois, tu te faisais citer, tu le voyais même pas. Et depuis, ils ont ajouté la fonctionnalité tweets cités et tu regardes. Ah non, moi, j'avais une commande. Oh. J'avais une commande, c'était. Dans recherche, si tu tapais Quoted Reply 2. Ah machin oui. Avec des trucs, tu pouvais avoir les. Ouais, et que t'avais l'ID où tu de ton tweet. 2.at. Oh. Exactement. Ouais, tu pouvais trouver. Et moi, j'avais tout le temps les retweets coach parce que je regardais que ça, c'est là où il y avait tout metteur. Donc je kiffais regarder ça. Bien sûr, dans le bain. Bah oui. J'étais là-dedans. Il entrait dans le feu. Ça fait. Ouais, c'est vrai que. Mais je crois que c'était 2019, pardon. Non, mais franchement, moi, c'est vraiment la. Désolé, je t'ai coupé. Vas-y. C'est vraiment, je trouve, l'ajout le plus toxique
de, ah oui, bah oui. Parce que le mec te cite devant sa petite TL de 2, 3, 4 000. Ça croise des communautés en fait. Et en plus, il te cite devant une TL qui, en général, si c'est ta TL, vous êtes plus ou moins d'accord sur plein de trucs. Ouais, donc, du coup, souvent, ça va te ramener d'autres citations de mecs qui disent la même chose. Ou alors, ça va aller dans les réponses, tu vois. Ouais, c'est un peu un connard. Et là, tu regardes une réponse, tu dis, tu vois, on va regarder, peut-être quelqu'un me défend. Ouais, c'est vraiment une merde. Tu prends double ah douche, non, c'est trop, c'est trop. Genre tu ressors vraiment, t'as pris dans t'as vraiment de moi regarder les pp des mecs NFT et voir qu'ils valent 90 000 balles sur 30 000 balles, ça m'atomise. Ça j'adore. J'ai jamais fait ça encore. Vous avez pas vu ça? Non. Bon, en gros, maintenant tu peux mettre ton NFT en. Ah ouais, et des fois je clique sur les NFT pour voir. Et tu vois la valeur du photo. Et je tape sur OpenSea, le prix, je vois 90 000, 130 000. Quoi? Je te jure, okay. Les mecs, ils ont des pp Twitter qui valent 130 000 euros. Ça m'atomise. Ah, du coup, quelle vie. D'ailleurs, c'est un vrai game, hein, les photos de profil, du coup. Ça a créé une vague de NFT de fou. Ah, bah, ils où t'as des avatars avec des particularités qui changent. Et genre, par exemple, t'as un type d'avatar en ninja, tu vas avoir la jaquette qui va changer de couleur. Et la version bleue, elle existe en 1%, la version verte, elle existe en 15%. Tu vois, du coup, suivant la combinaison que t'as, il coûte plus ou moins cher et t'en as qui valent 1 million, 400 000 euros. Ça, c'est bien. Ça régale. Mais il y a eu ce truc en plus avec le premier tweet. Tu sais, il y avait le premier tweet justement de Twitter qui avait été vendu en NFT, mais finalement, le truc, je crois, il a bidé. Il est parti genre à 280 balles. En fait, il avait été acheté 2 ou 3 millions. Ok. Donc ça a été. Alors, il me semble. Corrigez-moi si possible, mais ça a été acheté 2 ou 3 millions. Derrière, le mec qui l'a acheté, il a fait « Ok, moi maintenant, c'est lourd. » Je crois qu'il l'a reposé à 41 millions. Et je crois que la top bid, donc la meilleure offre qui a été faite, c'était en dessous de 10K. Ok. Donc, en termes de... Ouais. Donc le mec l'avait acheté 2 ou 3 millions, a voulu le revendre 40, et le bid qui est venu le plus haut, ça a été en dessous de 10K. Mais même le NFT de Squeezie vaut plus cher. Bienvenue dans un système sain. Oh, par contre, je suis tombé sur un truc. C'est pour le secours populaire, hein, je précise juste oui, bien sûr. Quand même. Mais c'est... Ouais, mais un conseil NFT peut-être sort d'un dernier. Non, mais c'est, toujours... non, bah, c'est peut-être un bon plan. On, ça fait on toujours. Sur Bloomberg, hein, c'est un business là. LinkedIn, ils ont une nouvelle fonctionnalité sur LinkedIn Premium, non? Il y a quoi en ce moment?